Suite à notre dossier sur le verdissement de la place Bellecour, Tribune de Lyon a reçu un mystérieux coup de fil. Juste sous nos pieds reposeraient plusieurs millions de mètres cubes d'eau entre 20 et 25, qui représenteraient jusqu'à un quart de l'eau consommée dans le Grand Lyon. Pour le moment, cette eau est pompée dans le sous-sol des parkings Lyon Parc Auto et majoritairement renvoyée vers la nappe phréatique. Elle est également utilisée marginalement pour refroidir des immeubles de bureaux à la Part-Dieu ou encore pour le miroir d'eau de la Guillotière. Pourtant, les experts que Tribune de Lyon a contactés nous expliquent que cette eau est cristalline puisqu'elle nous vient des Alpes. Selon ces experts, cette eau pourrait être utilisée différemment, comme pour créer de nouveaux espaces verts, faire ressurgir une rivière en plein cœur de Lyon, voire même créer un lac Place Bellecour. Plongez avec nous à la découverte de cette eau mystérieuse mais pourtant vitale, un dossier que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur tribunedelyon.fr et également en kiosque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche.